Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous avions travaillé ensemble sur la bêta-oxydation, mais uniquement avec des acides gras ayant d'une part un nombre pair de carbone et d'autre part étant tous saturés. Alors ici, le terme de saturé signifie que l'ensemble des carbones de la chaîne aliphatique de l'acide gras en question est saturé en hydrogène. Il porte donc le maximum d'hydrogène possible. Autrement dit, il n'y a pas une seule double liaison dans la chaîne. Or, beaucoup d'acides gras que nous ingérons ne sont pas saturés et pairs, mais peuvent être insaturés et posséder un nombre impair de carbone. Quelle que soit la situation, ces acides gras requièrent un certain nombre d'étapes supplémentaires pour leur dégradation. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Allez go, c'est parti! La plupart des acides gras naturels contiennent un nombre pair d'atomes de carbone. Mais il existe, c'est vrai, des acides gras à nombre impair. À la base, le déroulement de la bêta-oxydation est le même que pour un acide gras pair, à savoir tout d'abord une entrée de cet acide gras dans la mitochondrie, puis au sein de la matrice, vous avez une succession d'étapes d'oxydation avec pour chaque tour la formation de pouvoirs réducteurs sous forme de FADH2, puis sous forme de NADHH+, et enfin, la formation d'un acétyl-CoA. Vous savez, notre fameuse molécule en 2 carbones. Jusque-là, j'espère que vous me suivez, car ce sont les principales étapes que nous avions vues ensemble. En revanche, ce qui diffère se trouve au cours de la phase finale de la bêta-oxydation. Regardez, on obtient un acyl-CoA à 5 carbones. Et sa coupure fournit d'une part un acétyl-CoA à 2 carbones et d'autre part un propionyl-CoA à 3 carbones. C'est logique. Mais ce dernier composé, le propionyl-CoA, ne peut pas entrer directement dans le cycle de Krebs. Il est transformé en une molécule à 4 carbones en suivant 2 étapes que voici maintenant. Alors tout d'abord, une première enzyme, la propionyl-CoA carboxylase, qui catalyse l'incorporation de bicarbonate, HCO3- au propionyl-CoA. Alors attention, si vous regardez bien l'équation, vous voyez qu'il n'y a pas ce bicarbonate inscrit, HCO3-. Ça, dans certains livres, vous pouvez voir le HCO3-. En fait, ce HCO3-, d'où vient-il? Il provient tout simplement de la condensation de 2 molécules, à savoir H2O et CO2. H2O plus CO2 donne HCO3- plus H+. Voilà pourquoi, à la suite de la réaction, vous voyez qu'il y a une incorporation d'un CO2. Donc, c'est le CO2 qui, à la base, se combine avec H2O. Voilà pour l'explication. Alors ici, il s'agit d'une enzyme qui utilise la biotine comme cofacteur. Et regardez, il ne l'incorpore pas n'importe où. C'est au niveau du deuxième carbone. Donc, pour que ce soit clair pour vous, je vous représente la molécule avec le troisième carbone qui pointe vers vous. La formule n'a pas changé, juste l'orientation de la molécule. Ensuite, vous avez l'ajout du groupement COO- qui se fait sur le deuxième carbone. Cela vous donne non plus un CH2, mais un CH. Et cet hydrogène restant se trouve à l'arrière de la molécule, c'est pour cela que je vous le représente avec les petits tirés. Donc cela produit un composé appelé le déméthylmalonyl-CoA. Nous avons maintenant une molécule à 4 carbones. C'est une molécule ramifiée. Le carbone bêta, donc notre deuxième carbone, porte d'une part un méthyl et d'autre part le groupement carboxyle qui vient d'être fixé. Puis, une réaction d'isomérisation a lieu grâce à la méthylmalonyl-CoA épimérase. On passe de la forme D à l'isomère L. Vous avez ici une inversion des deux groupes autour du carbone 2. Le CH3 qui est à l'avant passe à l'arrière du plan de la molécule et l'hydrogène en arrière passe en avant. Vous avez donc maintenant le composé appelé le L-méthylmalonyl-CoA. La réaction suivante fait intervenir l'enzyme, la méthylmalonyl-CoA mutase, qui utilise un dérivé de la vitamine B12 comme cofacteur et qui fait migrer la chaîne latérale et transforme la molécule qui est à la base ramifiée en une molécule cette fois-ci linéaire. La molécule s'intitule maintenant le succinyl-CoA. Et là, ça doit vous faire tilt dans votre tête, car ce succinyl-CoA est un intermédiaire du cycle de Krebs. Elle va pouvoir s'y incorporer. Donc finalement, à retenir pour vous, on passe d'un C3, le propionyl-CoA, à un C4 au départ non linéaire, le méthylmalonyl-CoA, qui se linéarise en succinyl-CoA et qui entre alors dans le cycle de Krebs. Et donc la cellule peut récupérer de l'énergie par cette voie-là. Voilà comment se déroule la bêta-oxydation pour des acides gras à nombre de carbone impair. Comment se passe la bêta-oxydation pour des acides gras insaturés?
Alors le schéma général ici reste le même que pour la bêta-oxydation avec des acides gras saturés. C'est-à-dire que vous avez une première étape d'activation qui coûte de l'énergie en ATP, puis une étape de transport depuis le cytosol jusque dans la mitochondrie, puis enfin débute dans la matrice mitochondriale la bêta-oxydation. Et pour cela, prenons un exemple concret, par exemple l'acide oléique. Donc c'est un acide gras à 18 carbones avec une double liaison au niveau du 9e carbone. La voici arrivée avec sa formule en détail. On parle d'acide gras ici mono-insaturé du fait qu'il n'y ait qu'une seule double liaison. Ici, résumez les étapes d'activation avec un ATP et liaison avec coenzyme A. Vous formez alors un acide gras activé, l'acyl-CoA en 18 carbones avec une double liaison en position 9. Les quatre étapes de la bêta-oxydation se déroulent normalement à partir de l'extrémité portant la fonction thioester. Rappelez-vous, on l'avait vu ensemble dans la vidéo sur la bêta-oxydation. Cet acide oléique subit un certain nombre de tours jusqu'à atteindre la double liaison. Pour notre exemple, la molécule subit 3 tours de cycle. Il se libère donc 3 FADH2, 3 NADHH+, ainsi que 3 acétyl-CoA. Et nous arrivons à un composé possédant 12 carbones. Or, ce composé possédant une double liaison, de configuration d'ailleurs 6, entre le 3e et le 4e carbone, ne correspond pas au substrat de l'enzyme qui permet normalement de former la première double liaison entre le 2e et 3e carbone, c'est-à-dire l'acétyl-CoA déshydrogénase. Rappelez-vous, au cours de la bêta-oxydation, la première étape qui permet de former du FADH2, vous avez la formation d'une double liaison entre ce carbone 2 et ce carbone 3. Et ici, ce n'est pas possible, ce n'est pas le bon substrat. Donc, si l'on revient à notre exemple, il se déroule à partir de ce moment-là une étape supplémentaire. Une réaction qui déplace la position et la configuration de la double liaison. On passe d'une double liaison 6 entre le 3e et 4e carbone à une double liaison trans entre le 2e et 3e carbone. Sur votre écran, ce sont les changements de couleur rose. L'enzyme permettant cela est une isomérase, et plus précisément la 6-delta-3-ényl-CoA isomérase, donc un nom assez barbare. Donc retenez globalement qu'il s'agit d'une isomérase. Puis, à partir de ce nouveau composé, la suite de la bêta-oxydation peut se poursuivre sans problème jusqu'à son terme. Autrement dit, ce composé formé est maintenant un substrat normal pour l'ensemble des réactions classiques de la bêta-oxydation. Voilà pour la bêta-oxydation à nombre de carbone impair. Alors maintenant, j'aimerais que l'on revienne ensemble sur quelques questions générales que vous m'avez posées suite à la première vidéo sur la bêta-oxydation. Première question. Dans les livres, on peut lire que la bêta-oxydation correspond à l'hélice de Linen. Pourquoi est-ce qu'il y a ce double nom, bêta-oxydation, hélice de Linen ? Alors pour cela, il faut remonter le temps jusqu'au début du XXe siècle, et plus précisément en 1904, où des scientifiques de l'époque travailler sur des mécanismes de dégradation des acides gras. Donc ce sont notamment les travaux de Franz Knopp, docteur en médecine et biochimiste allemand, qui ont permis d'élucider certaines voies métaboliques grâce à l'utilisation de traceurs biochimiques. Alors je ne rentre pas dans le détail des réactions, ce n'est pas le propos ici. Mais gardez en tête que tous ces travaux sont à la base de l'élucidation de la voie de la bêta-oxydation. Puis, en 1951, Theodor Linen, qui est un biochimiste allemand, ainsi que des collègues à lui d'ailleurs, montrèrent que les acides gras se dégradent sous la forme de thioester de coenzyme A, en libérant des fragments à 2 carbones constitués d'acétyl-coenzyme A. Le mécanisme de la bêta-oxydation fut alors élucidé. Les enzymes et les composés intermédiaires furent également isolés et identifiés. Enfin, c'est en 1964 que Theodor Linen reçoit le prix Nobel de physiologie ou de médecine pour ses découvertes sur le métabolisme des acides gras. Prix Nobel d'ailleurs qu'il partagera avec l'Américain Conrad Bloch qui, indépendamment de lui, a découvert des éléments du métabolisme des lipides et notamment tous les prémices jusque-là encore inconnues de la synthèse du cholestérol. Donc pour en revenir à la question, en hommage à toutes ces découvertes, la bêta-oxydation est également appelée l'hélice de Linen. Deuxième question. Dans la vidéo sur la bêta-oxydation, tu nous parles du bilan du palmitate, donc une molécule en 16 carbones. Et dans ton bilan en ATP, tu nous dis au total 131 ATP, puis tu nous dis que l'on a consommé d'ailleurs l'équivalent de 2 ATP, sachant qu'il n'y avait qu'un seul ATP dans la réaction. Et au final, tu nous dis 131 moins 1 égale 130 ATP.
mais il y a eu une consommation de 2 ATP. Est-ce qu'en gros, tu pourrais être plus clair ? Oui. Alors c'est vrai que je ne suis pas allé dans le détail dans la précédente vidéo. Voici l'image utilisée pour vous parler de l'activation des acides gras en acyl-CoA. Pour cela, je vous avais indiqué qu'il y avait consommation d'un ATP. C'est cet ATP qui est soustrait au final. Donc, je vous avais indiqué que l'on produisait, dans le cas du palmitate, 131 ATP. Donc, 131 moins 1 ATP, celui qui est présent à votre écran, égale 130 ATP. Mais attention, il ne se produit pas comme composé de l'ADP, mais de l'AMP et du pyrophosphate, le fameux PPI. Je n'étais pas rentré dans ce détail, mais notre pyrophosphate est par la suite hydrolysé et scindé en 2 phosphates libres grâce à une enzyme, la pyrophosphatase, qui hydrolyse irréversiblement tout le pyrophosphate produit, donc tout notre PPI produit. Cette réaction libère de l'énergie, elle aussi, et son delta G0' est égal à moins 33,5 kJ par mol, donc la quasi finalement équivalence de l'hydrolyse de l'ATP. Donc finalement, l'hydrolyse d'un ATP dans cette réaction se traduit par l'hydrolyse des 2 liaisons pyrophosphate de l'ATP riche en énergie. Voilà pourquoi, dans beaucoup d'ouvrages, pour cette réaction, on ne compte pas un ATP, mais 2 pour faire le bilan général. Et à ma question finalement, où il était question pour le palmitate de 131 ATP, beaucoup d'ouvrages et d'enseignants comptent donc la soustraction de 2 ATP, donnant alors comme résultat 129 ATP. Donc, par rapport à cela, n'hésitez pas à demander à votre enseignant comment il voit la chose, si c'est de cette manière-là ou pas. Ainsi, vous saurez si vous devez compter un ATP ou finalement l'hydrolyse des 2 liaisons finalement. Ça marche pour tout le monde ? Vous me direz en commentaire. Troisième question. Dans la vidéo sur la bêta-oxydation aux alentours de 9 minutes, tu indiques que les lipides font d'excellents combustibles comparativement aux glucides et aux protéines. Mais les valeurs sur le tableau ne sont pas en adéquation avec ce que tu dis. Est-ce que ici aussi tu pourrais être plus clair ? En effet, dans le tableau présenté, je vous pointe un pouvoir calorique élevé correspondant aux protéines. En fait, c'est une erreur dans mon tableau. À la place de protéines, j'aurais dû écrire lipides et placer les protéines en dessous. Les chiffres sont à la bonne place, mais pas les noms. Donc, sous le terme de glucides, vous avez le terme de lipides. Et voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère que cela complétera vos connaissances sur la bêta-oxydation. N'hésitez pas à la partager et à commenter si quelque chose n'est pas clair. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous les tipeurs, ceux qui participent financièrement via la plateforme Tipeee à cette émission biologique. Je vous le rappelle ici, hein, toutes ces vidéos sont faites pour vous, pour votre réussite, et je crois vraiment à l'entraide générale. Donc, si ces vidéos vous ont aidé et que vous estimez que finalement, ça peut être sympa de récompenser ce travail par l'équivalence d'un bon café ou d'une bonne boisson, alors foncez sur Tipeee. Nous ne sommes pas une énorme communauté, mais si un petit pourcentage, un faible pourcentage d'entre vous m'aide ou aide finalement l'association biologique, alors cela permettra de continuer à produire d'autres vidéos sur des thèmes qui vous sont chers. Et bien sûr, toujours gratuitement, parce que tout le monde a le droit de réussir. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao !